Je l'ai bien demandé. Si le demain, on a perdu la finale, on va se remettre au travail. Inch'Allah, Inch'Allah, pour le prochain séance aussi, on verra l'effort de se modifier. Pour ce qui concerne la défaite, on a démérité, certes, on a fait l'effort de donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut l'accepter, il faut l'accepter, il y a des faits, des défaites. Et on joue aussi pour toutes ces choses-là. On n'a pas marché, Inch'Allah, mais je tiens au plus, on fera l'effort de donner le meilleur de nous-mêmes, et la beauté de nous. Alors, vous avez perdu. Moi, je n'ai pas mal. Je suis de mal de 2 millions chacun. Mais le prime reste. La prime reste. Hein, à tout à l'heure. Applaudis. Voilà, voilà pourquoi on a créé le sang qui permet à certains jeunes de réaliser leurs rêves. Dieu merci. Aujourd'hui, il y a eu des championnats. Il y a eu des tournois organisés par des autres présidents du centre de formation et parrainés par des pros ivoiriens, tels que aujourd'hui le cas avec Tony Aruna. C'est intéressant pour nous. Ce n'est pas un championnat de jeunes. On profite de ce tournoi-là pour mettre nos enfants en vitrine. Je demande aux autorités d'abord, mais intérieur, voir quel est le matériel qu'il faut aux enfants. Le matériel éducatif, c'est-à-dire les ballons, les poules, tout ce qui peut rendre la vie. Voilà, aujourd'hui, c'est mon souhait. Les enfants ont brûlé le maillot, les petits chapeaux. C'est vrai, la victoire est là, mais le coup du jeu, il est tout à fait.